Suis-moi. C'est ma mère qui m'a révélé l'existence de cette grotte secrète. À part toi et Inès, personne d'autre ne la connaît. Alors j'ai décidé d'y installer mon meilleur ami. Je te présente Tornado. J'ai capturé ce magnifique pur sang moi-même. Je l'ai confié à un ermite indien pour qu'il s'en occupe avant qu'on parte en Espagne. Ainsi, personne ne pourra faire le lien entre lui et nous. C'est le meilleur cheval de l'univers. On se retrouve dehors tout à l'heure. Colonne en avant et défense de l'ambulé, hein. Vous n'êtes pas avec le sergent Garcia, là. Oui, Inès, oh, c'est vraiment vous? Avez-vous eu un accident? Oh, commandant, j'ai bien peur qu'une de mes roues ne soit cassée. Mais sommes-vous réparés ça en deux temps, trois mouvements? L'acier, au travail et plus vite que ça! Oh, crétin! Oh, c'est vraiment horrible ce qu'il fait chaud aujourd'hui. Je meurs de soif, j'ai la gorge en feu. Oula. Oui, commandant. Je suis en train de réparer la roue de la calèche. D'abord, allez chercher de l'eau fraîche pour la belle señorita, espèce de malpoli. Oh, ces soldats n'ont aucune manière. À vos ordres. Sergent. Si j'étais vous, je ne resterais pas longtemps dans les parages. Je sens qu'il va pleuvoir. Pourquoi? Il n'y a pas le moindre nuage. Oh,
fini de réparer cette roue. Je vous en prie, ne vous fâchez pas à cause de moi, commandant. Je vais bien malgré la situation. Et c'est grâce à vous. Plus vite que ça, soldat. J'ai terminé. Ça y est, c'est réparé. Ce n'est pas trop tôt. Ma chère señorita Inès, je suis terriblement navré de ne pas pouvoir vous escorter jusqu'à votre hacienda, mais le devoir m'appelle. Ce n'est pas grave, merci, commandant. Kia ! Bon, j'espère que je serai retardé suffisamment longtemps. Vous faites quelque chose, caporal! Si jamais la mine est bloquée, le commandant va nous tomber dessus! Ce n'est pas la seule chose qui va vous tomber dessus! Il ne pourra plus nous échapper maintenant! Ramassez donc vos épées, messieurs. Comment est-ce qu'il a fait ça? Non, rira bien qui rira dernier. Commandant Monastério, eh bien, vous en avez mis du temps. Le pied à terre, capturez-le. Encerclez-le. Soyez prudent. Attention. Commandant, allez, ne soyez pas timide, venez! Envoie immédiatement gibier de potence. Ah non, ça, c'est de la triche! Sautez d'une seconde à l'autre! La mine est totalement détruite. Comment une pareille chose? Ça a tout de même un avantage. On est enfin débarrassé de Zorro. Il était à l'intérieur. Quand même, finir six jours aplati comme une tortilla sous des tonnes de rochers. Pauvre, pauvre Zorro. Hein? Regarde, Bernardo. Tu vois? C'est du minerai d'argent. C'est ça que Monastério est venu chercher dans les montagnes. Vous avez perdu quelque chose, commandant? Vous avez osé ouvrir cette mine d'argent sans informer le gouverneur de vos intentions. Allons, allons. Ça ne me paraît pas très réglementaire comme méthode, si? Mais soit. Passons l'éponge. Disons que c'est de l'histoire ancienne. Mieux vaut que Don Parasol n'apprenne jamais ce que vous mijotiez. Adieu! Ça, c'est votre faute, espèce de cornichon! Exact! Tout ça, c'est votre faute, espèce de cornichon! Comme le dit si bien le commandant, qui a été prodigieux, il faut bien le dire. Papa!
Ha 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 ha.